suis contente de vous retrouver pour mon premier projet avec la collection Un air de mariage de la Fée du Scrap. Alors, c'est un projet qui va se composer en deux parties. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire la première partie. Je vais travailler autour d'une couronne en bois. La Fée du Scrap vous propose de nombreux home déco. Et notamment des couronnes. Alors celle-ci c'était pour Noël, mais vous verrez qu'on n'est pas obligé de les utiliser pour Noël. Ça peut aussi faire des cadeaux, des décorations pour des fêtes par exemple. Et donc j'ai choisi celle-ci. Alors c'est une première pour moi. Je n'ai jamais travaillé ce genre de support. Et même les embellissements en bois, c'est pas trop mon truc. Enfin, je suis pas attirée vers ça. En général, je laisse les copines le faire. Donc là, en fait, je vous montre quelles photos je vais travailler. C'est notre petite photo de fin d'année. Là, il y a trois générations, ma mère, ma fille et moi. Et j'ai sorti un petit peu différents éléments. Donc des tampons de la collection. Des étiquettes et notamment ce tampon non monté eucalyptus qui n'est pas vraiment de la collection mais que vous pouvez trouver. J'ai également mis de côté des tampons cadres, je vais me servir de l'un d'entre eux et aussi quelques papiers. Donc je vais faire ce petit projet avec vous et puis par moment je vous laisserai en musique. Donc voilà, j'ai d'abord tamponné, alors c'est sur du papier Pentone multitechnique, les différents éléments que je vous montre et qu'ensuite je vais mettre en couleur. Dans un premier temps, en fait, je voulais travailler sur ce papier multitechnique parce que je voulais travailler avec mes crayons aquarellables. Sauf qu'en fait, je n'arrivais pas à trouver de crayons qui correspondent aux couleurs des papiers de la collection. Et du coup, je vais faire des mélanges d'aquarelles. Donc, vous verrez quand même que le papier se comporte assez bien. Donc, je vous montre que je vais aussi utiliser des dies. Alors, je vous mettrai les liens sur le blog de la Fée de tout le matériel, en tout cas de la Fée. Alors, voici un petit peu mes nuanciers d'aquarelles que j'ai réalisés sur les conseils de Marlène. Donc vous avez les vidéos sur sa chaîne. Et pour ce qui est du pochoir du nuancier, vous l'avez également sur la Fée du Scrap. Donc par exemple, l'une des couleurs, c'est un espèce de vert eucalyptus un petit peu foncé. Et je trouve qu'il correspond bien aux terres vertes brûlées de Sennelier. Surtout quand on le dilue un petit peu, pas sur la première colonne où les couleurs sont plus intenses, et également pour le vert un peu plus tendre. Alors la luminosité est pourrie en ce moment, je suis désolée, donc ça ne rend pas bien les couleurs. Pour le vert un peu plus tendre, vous verrez que je vais faire un petit mélange. Par contre, pour les roses, vieux roses qu'il y a, je vais utiliser à la fois le Caput Mortuum et le brun Van Dyck, plutôt dilué, et vous verrez que ça correspond plutôt bien.
Thank you.
Donc voilà un petit peu le résultat, j'ai rajouté du stickles, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. En fait si vous voulez, d'habitude à l'aquarelle je fais une première couche diluée, une couche moins diluée et ensuite j'utilise la couleur complémentaire pour foncer. Là je ne l'ai pas fait parce que je voulais quand même un résultat assez doux qui corresponde au papier. Donc vous voyez quand même que c'est pas trop mal, même si avec la luminosité on voit pas bien. Et j'ai utilisé les crayons Polychromos et Chromaflow pour venir ajouter encore un peu de contraste en fonçant. Bon, pour mes Chromaflow, j'ai même mis un peu du blanc parce que les couleurs que j'ai choisies dans mon stock étaient quand même assez intenses. Bon, une fois que tout a été détouré, ben, on revient au, au travail de mise en page et c'est toujours la partie un petit peu longue et un petit peu délicate. Donc je vous laisse à nouveau en musique et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Thank you.
résultat. Alors, on est le lendemain, mais il fait encore plus moche que la veille. Donc, je rajoutais un petit peu, voilà, de stickles moon dust sur certaines parties, sur certains feuillages, etc., pour les illuminer. Je vous le présente sur un fond blanc parce qu'en fait, il va être accroché dans l'escalier et que pour l'instant, le mur est blanc. Il ne le restera pas tout le temps. Mais je me dis que si jamais ça ne ressort plus lorsque le mur sera repeint, mais ça va être dans des tons vert ou beige comme sur les papiers en fait, et bien il suffira de coller un papier derrière la couronne, voilà, en se servant d'elle comme gabarit. J'ai longtemps hésité avant de peindre la couronne elle-même, ce qui est possible, mais bon, je trouvais que ça rendait bien avec le côté bois. Donc je vous montre un petit peu en détail le résultat. Je n'étais pas très sûre que de coller avec la tachyglue fonctionne, mais en fait c'est nickel. Je ne suis pas trop adepte du double face parce que j'ai toujours tendance à être de travers, donc je préfère la colle parce que ça me laisse le temps de me repositionner. J'ai fait des petites bêtises en filmant, par moment je vous montrais des étapes et en fait j'avais pas du tout appuyé sur enregistrer, donc voilà. Donc c'était notamment des étapes où je vous montrais les dyes utilisés et en particulier ce grand feuillage lierre qui est un grand dyes de mes petits ciseaux. Ça fait déjà quelques années que la marque a sorti ce dyes, mais c'est un de mes chouchous, un de mes favoris. Donc je ne sais pas si on le trouve encore en tout cas. Et puis, comme je vous avais un petit peu montré, donc la clé est un dies de la collection Un air d'Halloween. Et le centre cœur, lui, vient d'un autre lot de dies, mais... Les liens vers les produits seront sur l'article du blog de la Fête du Scrap, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Et que vous dire de plus? Écoutez, c'était une première pour moi, c'était la première fois que je travaillais ce type de support. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Comme je vous l'ai dit, c'est la première partie de ma vidéo, enfin de mon projet plus exactement. J'espère vous montrer la prochaine fois la suite. Ah oui, quand vous travaillez ce genre de support, il y a toujours un petit crochet d'attache. Là, on ne voit pas bien, j'ai mal cadré. Faites attention de bien aligner vos éléments par rapport à ce crochet. Il ne faudrait pas qu'une fois que vous avez tout collé, au moment de le fixer au mur, par exemple, il soit de travers. C'est ce qui a failli m'arriver. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. J'arrête de blablater pour rien. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne de la Fée du Scrap pour voir les autres créations que l'équipe va vous proposer avec cette collection Indard de mariage. Et vous verrez que ce ne sont pas forcément des créations autour du thème du mariage. Je vous laisse en photo et je vous dis à bientôt. Merci.